Bonjour à tous, c'est JDP. Une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos sur un choix un peu biscornu, fait en collaboration très éloignée avec Notar, Numera, truc machin bidule, pour ceux qui le connaissent. Et je vais vous présenter quelqu'un qui va travailler sur ce projet-là avec moi. C'est Mélina, alias Mel. Mélina. Présente-toi. Salut! Alors du coup, moi c'est Mélina, j'ai 16 ans, j'en avoir 17 en octobre. Et je suis en formation de brevet de technicien des métiers de la musique, BTMM, à Nancy, voilà. Et du coup, je suis en stage à l'atelier de lutherie JDP parce que je trouvais cela intéressant de voir le cœur des instruments. Parce que, enfin, c'est les instruments, ça n'a pas vraiment des cœurs, mais je me suis comprise. Voilà. Je crois que c'est bon. Ok, bienvenue Mel. On vous présente également Gribouille, le troisième membre de cette équipe de choc. Elle passe plus de temps à dormir. Qu'à travailler, ça c'est clair. C'est la mascotte. T'as raison, dors Gribouille. Donc voici l'objet du délit. On va vous expliquer quels sont les points faible à refaire là-dessus. Quasiment tout. Donc, eh ben écoute, Mel, parle-nous déjà du corps. Ah, d'accord. Eh ben, je bouge pas. Le garde machin chose là. Le pic-garde. Je vais aller chercher un truc au fait pour après. Le pic-garde, faut le virer. La forme, elle est pas ouf, mais alors pas du tout. Ça, on est d'accord. Après, bah, il y a la peinture aussi à virer. Ouais. Totalement à virer et à C'est refaire. vrai, c'est vraiment de mauvais goût, franchement, la peinture. Il y a le ponçage aussi et les trous à reboucher parce que ça, c'est trop gros par rapport à Ouais, ce et que puis ça de toute doit être. façon, on va certainement mettre qu'un seul micro, donc il n'y aura pas besoin de. Voilà. Donc, le ponçage à refaire parce que là, c'est pas du tout poncé. Mais alors, pas du tout. C'est dégueulasse. Pas beau du tout. Et il faudra recoller ça aussi. Ouais. La fente. Alors là, je pense qu'on fera un coup de défonceuse bien droit et on mettra une bande de bois dedans. Avec de la colle. Avec de la colle. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Sinon, au niveau du bois, bah, là, c'est du pain. Hein. Peut-être même. Ouais, c'est du pain, du sapin. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. On verra mieux une fois qu'on sait. Donc, c'est pas ouf. Là-dessous, on vous montre un petit peu. Voilà. C'est pas poncé non plus. Ouais, bon, ça à la rigueur, c'est pas trop grave parce que c'est en dessous, ça Ça se serait verra pas. caché. Le pic-garde est en contreplaqué et il est signé de l'auteur des méfaits, du Numéra. moins son ancien nom, Non, c'est pas ça. Notar. Notar. C'est Numéra aujourd'hui. Ouais. Hop. Donc bah, c'est une cavité piscine, comme on dit. Hein. Donc c'est une pôle. À part que on fera en sorte qu'un micro tienne dedans parce que je suis pas sûr que ce soit le cas. Faudra le mettre en diagonale. Non, peut-être pas, mais peut-être défoncer un petit peu là. Et puis on verra si on met en position manche ou en chevalet, on verra. De toute manière, c'est toi qui décideras, puisque c'est la demoiselle qui repartira avec. Hop, le manche. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le manche? Le manche, il est totalement à revoir, à retravailler. Parce que bon, la touche, elle est cassée. Les frettes au bout, elles sont cassées aussi. La touche là est cassée, ça a été recollé. Tiens d'ailleurs, Ah, on ça le colle balance. bien, Ouais, la colle, elle colle bien quand même. non? Et bon là, c'était cassé, du coup, On va c'est pas amputer. terrible, on va amputer de 3 frettes. Hein. Et la tête, ouais, elle est pas Elle n'est pas ouf oufissime non quoi. plus. On va essayer de refaire quelque chose d'un peu plus esthétique. Et puis bah, les frettes, bah, on va essayer de les sauver. Ouais, on va essayer de sauver le frettage. On va refaire bien toute la bordure.
Le profil du manche. On va essayer de récupérer quelque chose. T'as voulu nous faire un half pipe de skate ou ça se passe comment? Voilà. Bon. Puis le manche. La touche, tu m'as dit que c'était du pommier. Bon, je veux bien te croire. Le manche, je me souviens plus ce que t'as dit. Le manche, je ne me souviens plus de ce que t'as dit. Donc. On rock. Il y a de la peinture blanche ici. Tu m'avais dit du hêtre dans mes souvenirs. C'est peut-être du hêtre échauffé, ouais. Bon, ok. Eh ben, on va partir là-dessus. On a 3 semaines pour le faire avec Mélina. Chaud. Si le défi est relevé à la fin des 3 semaines. Je repars avec. Voilà. Tchou.